Il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de partir en reportage en Ukraine pour couvrir la guerre sur plusieurs lignes de front. Pendant une dizaine de jours, j'ai eu l'occasion de vivre le quotidien des soldats ukrainiens qui se battent dans les tranchées, et mon reportage vient d'être publié dans le magazine Defenzone, qui vient tout juste de sortir en kiosque au moment où j'enregistre cet épisode. Lors de ce voyage, j'ai travaillé en binôme avec Patrick Chauvel, un grand reporter de guerre que vous connaissez probablement et qui est déjà passé il y a quelques années dans ce podcast. D'ailleurs, nous avons enregistré un nouvel épisode, tous les deux, pour débriefer sur l'Ukraine, qui est sorti récemment sur mon deuxième podcast, Defenzone, et je vous mets un lien en description. Je vous encourage fortement à l'écouter, car il est super intéressant et Patrick raconte quelques anecdotes vraiment très chouettes. Si j'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui, c'est parce que je reçois beaucoup de questions de la part de confrères et consoeurs, notamment sur Instagram, qui ont vu mes photos et qui veulent partir, elles et eux aussi, en Ukraine pour couvrir la guerre. Tout en faisant preuve d'humilité, je pense être légitime pour partager quelques conseils pour vous aider. Première chose, n'allez pas en Ukraine pour aller en Ukraine. J'ai mis un an à me décider pour y aller, parce que je voulais pas être le 3000e journaliste à m'y rendre pour rien faire de plus que les autres, ni publier des images. J'ai attendu de structurer mon projet, me coordonner avec Patrick et ses projets à lui, et de réfléchir à comment on pouvait faire un truc original avec Defenzone. Car le but principal de ce reportage sur le front, c'était de faire un dossier spécial sur la guerre de tranchées 2.0 pour Defenzone. On a pu documenter le travail des dronistes et voir comment ils se coordonnent notamment avec l'artillerie. Donc, premier conseil, partez pour une raison, pas juste pour partir et voir après. Car il faut savoir que c'est très dur de vendre un sujet sur l'Ukraine à la presse française. Ces derniers n'achètent presque rien, pour trois bonnes raisons. Premièrement, parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été faites. Deuxième chose, parce que pas d'argent, ni envie de prendre le risque d'une commande, sauf quand ils connaissent la personne. Et troisième raison, parce qu'il y a des photographes locaux et des agenciers, notamment pour l'AFP, Reuters, etc., qui bossent très bien. Alors vous pouvez vous dire que vous vendrez des photos après, notamment en agence ou sur PixPalace, comme on le fait dans le collectif DR. Mais pour ma part, j'ai vendu très peu, et je pense pas que ça fonctionne très bien pour les autres. Après, si vous voulez quand même partir, attention, je dis pas qu'il faut pas partir. Il faut suivre plusieurs règles, certaines qu'on vous donne, et d'autres de bon sens. Première règle, il vous faut un fixeur sur place. C'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider à caler vos rendez-vous, à vous amener dans les endroits intéressants, à jouer le traducteur, soit pour parler russe, soit pour parler ukrainien. Et il faut comprendre que cette personne, bah, il faut la payer. C'est assez cher, surtout quand on est indépendant, qu'on n'est pas payé par une rédaction. Il faut compter entre 300 et 400 euros par jour pour les bons fixeurs. Deux, partez couvert. Gilet, gilet pare-balles, catégorie 4 minimum, casque, casque lourd, trousse de secours, et surtout, ayez des compétences en secourisme tactique. Vous devez savoir arrêter une hémorragie, mettre un garrot, utiliser un pansement hémostatique. Voilà, utilisez tout ce matériel. Et si ça vous intéresse, avec Defenzone, on a une formation sur ces questions-là qui est accessible à tout le monde. Troisième règle, respectez les règles qu'on vous donne. C'est une guerre qui est en train de se dérouler en temps réel et vous pouvez voir les positions des Ukrainiens. Donc c'est logique de ne pas faire de photos de certaines positions stratégiques pour pas dévoiler la stratégie à l'ennemi russe. Donc, on va vous demander de pas faire de photos à certains endroits, et on va notamment vous dire de pas faire de photos des checkpoints. Et les checkpoints, il y en a énormément. Tous les quelques kilomètres, vous allez passer par les checkpoints, et si vous n'avez pas, notamment, d'ailleurs, d'accréditation du gouvernement ukrainien, de carte de presse ukrainienne pour travailler, ça va être très compliqué de passer certains checkpoints. Je vous dis ça parce que j'ai vu certains photographes le faire dans d'autres agences, de publier des photos de checkpoint, et c'est complètement stupide, c'est dangereux, ça met en danger les gens, ça met en danger les soldats, donc ne le faites pas. Quatrième point, soyez conscient des risques. Les risques de mort, régulièrement des morts et des journalistes qui sont tombés, de blessures, de traumatismes, notamment psychologiques, les risques financiers, parce que vous prenez un risque aussi en partant et en dépensant votre argent sans être sûr d'en récupérer derrière, et le risque de décalage une fois de retour en France. Parce que quand vous avez vécu des moments forts dans des tranchées, dans des villages complètement détruits par les bombardements, et vous entendez toutes les deux minutes des tirs de mortiers, de missiles, etc. Quand vous rentrez en France et que vous retombez dans les problèmes quotidiens, notamment les problèmes des gens autour de vous, c'est pas simple. Et enfin, cinquième point, soyez parfaitement préparé et entraîné. Au niveau de la forme physique,
bien sûr, parce que parfois il faudra courir, porter un gilet pare-balles qui est lourd, être efficace, vous n'allez pas forcément dormir, parfois vous dormirez dehors ou dans des caves, dans des maisons occupées par les soldats, donc il faut être en bonne forme physique, mais aussi en compétences photo, en écriture photographique, en cadrage, en prise de vue, en storytelling, en construction de reportage. Parce que là, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous avez en face de vous quelque chose d'exceptionnel, il faut être capable de faire quelque chose d'exceptionnel pour le montrer. Si vous avez un projet et que vous hésitez, sachez relativiser et ne pas vous créer des freins pour rien. Je dis ça parce que partir en zone de guerre, c'est pas compliqué. N'importe qui ou presque peut le faire. Prenez un billet d'avion, un billet de train, un taxi et c'est parti. Ce qui est vraiment difficile, c'est de produire quelque chose de très bon et d'être capable de le vendre. Il faut démystifier le reportage de guerre et comprendre que, certes, ce n'est pas fait pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de prendre des risques ou de faire ce genre de choses. Mais si vous donnez les moyens, que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait envie, et que vous comprenez que c'est pas le truc qui vous fera gagner de l'argent, il n'y a aucune raison de ne pas se lancer. Voilà pour les retours que je peux faire et les conseils que j'aurais aimé qu'un photographe me donne quand je me suis lancé il y a plus de 10 ans. J'espère que ça vous aidera. Écoutez l'épisode du podcast Défense Zone avec Patrick Chauvel pour en savoir plus sur ces questions. Il partage d'autres conseils très intéressants. Merci pour votre écoute. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify si vous voulez soutenir mon travail. Partagez cet épisode et à la semaine prochaine pour le prochain.